Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Le débat sur l'euthanasie revient au cœur de l'actualité. 92% des Français, selon un sondage, y seraient favorables. Alors peut-on aider quelqu'un à mourir? Peut-on donner la mort à quelqu'un qui la réclame? On en débat ce soir avec Hubert Reeves. Vous êtes astrophysicien, vous avez été enseignant, chercheur, conseiller scientifique à la NASA. Vous avez publié de nombreux livres sur le cosmos et l'écologie. Le dernier, c'est « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». Vous êtes également membre du comité d'honneur de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Vous avez déclaré à ce sujet « Il devrait exister un droit fondamental à cesser de vivre. Chacun a droit à sa mort ». Hélène Fixou, vous êtes écrivain, dramaturge. La mort est très présente dans vos deux derniers livres, « Aïe aïe, le cri de la littérature » qui est paru cet automne et « Le détrônement de la mort » qui sort tout juste en librairie. Vous aussi, vous êtes membre du comité d'honneur de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Raphaël Antoven, vous animez depuis plusieurs années des rencontres philosophiques au Théâtre de l'Odéon. Celle de demain à 15h porte sur la philosophie d'Épicure et vous venez de recevoir le prix Femina Essai pour le dictionnaire amoureux de Proust que vous avez coécrit avec votre père, Jean-Paul Antoven. J'ajoute que vous êtes partisan de l'euthanasie active. Pour vous, le suicide est un droit de l'homme. Rémi Brague, vous êtes professeur de philosophie médiévale à Paris et à Munich, membre de l'Institut, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, membre de l'Académie catholique de France. Vous êtes l'auteur d'Europe, la voie romaine et de plusieurs essais sur le monde grec et sur la religion chrétienne. Votre dernier livre, c'est Le propre de l'homme, dans lequel vous expliquez que le projet athée des temps modernes a échoué. Corinne Peluchon, vous êtes philosophe, vous enseignez à l'université de Franche-Comté. Votre dernier livre s'intitule « Tu ne tueras point ». C'est une réflexion sur l'interdit du meurtre. Et « L'autonomie brisée », qui était paru en 2009 et sur le point d'être réédité en poche. Vous y abordez les questions de l'euthanasie, du suicide assisté, de la décision d'arrêt et de limitation des traitements, entre autres. Enfin, Denis Pellerin, vous êtes chirurgien pédiatrique, ancien président honoraire de l'Académie de médecine, membre du comité ancien membre du comité d'éthique. La position de l'Académie de médecine est claire, avez-vous dit, elle est formellement opposée à toute évolution de la loi qui viserait à dépénaliser l'acte médical de donner la mort. Un médecin qui donne la mort n'est plus un médecin, avez-vous dit. Alors le débat en France ne date pas d'aujourd'hui, ni de la loi Leonetti d'ailleurs. Je vous propose, pour commencer, l'extrait d'un film qui date de 1950. C'est un film avec Fernandel. Ben, il pose bien le problème. Écoute, tu veux que je sois heureuse? Alors tue-moi à Noël. Y a que toi à qui je puisse demander une chose pareille. Je ne veux pas que tu t'en ailles, Isabelle. Je ne veux pas qu'on se quitte. Je veux que tu vives, moi. Longtemps. Toujours. Nous deux. Tu comprends, Isabelle? Longtemps. Toujours. Nous deux. Et qu'on vieillisse côte à côte. Et qu'on ait les mêmes souvenirs. Lâche, égoïste. Tu tiens à ta petite tranquillité, hein? J'ai peur d'avoir des remords à cause de moi. Tu veux bien que je te débarrasse? Tu ne souhaites même que ça? Mais tu veux pas t'en mêler. Tu préfères attendre encore un peu. Mais puisque je sais ce que j'ai... Tu m'entends? Je sais ce que j'ai. Inutile de mentir. Je suis perdue. Je suis perdue, perdue. Alors, dis-moi tout de suite. Dis-moi tout de suite. Alors avant qu'on aborde les problèmes strictement d'actualité, je voudrais vous demander quelles questions ça soulève exactement ce débat. Est-ce que c'est un problème entre la droite et la gauche, entre les conservateurs et les progressistes? Est-ce que c'est un problème politique? Est-ce que c'est entre les pour et les contre? Comment voyez-vous, comment faut-il aborder cette question à votre avis, Hubert Reeves? Bon, moi d'abord, je vais dire que je suis content d'avoir été invité à ce débat parce que je crois que c'est important que ces questions très anciennes reviennent continuellement. Et ça fait partie de ce que j'appellerais l'humanisation de l'homme. C'est-à-dire, on sort des grandes lois, des grands principes absolus, on se rend compte que la réalité est compliquée, qu'on ne peut pas avoir des énoncés clairs et nets. Je suis plutôt du côté de la jurisprudence qui consiste à dire, eh bien, on essaie d'être le plus humain possible.
Et c'est parce qu'on accepte d'en parler, et ce soir, que je crois que c'est important. Donc je suis content de... Je vous remercie de m'avoir invité. Je vous en prie. Denis Pellerin. Bien, moi aussi, merci de m'avoir invité. Comme M. Rive, je pense qu'il ne faut pas avoir une attitude stricte, brutale, binaire. Et c'est toute la difficulté, évidemment, de la question de la fin de vie, que l'on appelait jusqu'à maintenant l'euthanasie, enfin disons, si vous voulez, fin de vie, euthanasie, car toutes les situations sont totalement individuelles et différentes. Et c'est pour ça qu'en médecin, je ne connais pas un ensemble de populations, nous connaissons des personnes individuelles dont les conditions de la vie, de la fin de vie, sont toutes uniques. Et c'est pour ça que nous sommes tout à fait réservés à la veille d'une loi qui, à nouveau, enfermerait toutes les situations vécues quotidiennement et diversement par toutes les personnes en fin de vie ou en maladie définitive et incurable, que nous craignons qu'elles soient informées dans un article, un texte de loi dont finalement seule une ligne essentielle dans le premier article serait un carcan dans lequel, évidemment, le médecin ne se reconnaît pas. Hélène Cixous. Et si donner la mort, ce n'était pas ce qui est associé avec cette expression, c'est-à-dire le fantôme du meurtre, si donner la mort, c'était aussi, ça pouvait être donner une forme de vie autre, accepter de laisser partir, comme dans la Bible. C'était vraiment de l'ordre d'une sorte de générosité sublime. Ce film si ancien, il a dit en quelques mots simples les apories de ce fantôme de la mort. Je pense que nous sommes... je voudrais dire, d'ailleurs, avant de continuer, que je ne suis pas venue toute seule. Je suis venue avec Kafka, avec Shakespeare... avec Montaigne et avec ma mère, avec laquelle j'ai fait le dernier chemin l'année dernière et où j'ai fait un apprentissage insuffisant parce qu'on n'apprend jamais assez. Pendant des mois, elle avait 103 ans. Et ces questions, je me les suis posées à peu près toutes les 10 minutes pendant 6 mois. Pendant ces 6 mois qui étaient... Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire « fin de vie » et j'ai sursauté parce que pour moi, ce n'était pas une fin de vie. C'était une autre forme de vivre qui allait mener vers encore une autre forme de vivre. Peut-être que justement nous traitons mal la mort, que nous la prenons pour quelque chose de négatif, de terminal. Elle n'est peut-être qu'une ouverture sur quelque chose d'autre. Et c'est à nous les survivants qui nous sentons toujours coupables d'assurer quelque chose. D'assurer quelque chose, bien sûr, dans une sorte d'infinie conversation et solidarité avec ce que je préférais appeler, c'est ma mère qui m'a fait penser à ça, les endurants, en pensant que la fin de vie, comme on dit, hein, ce sont tous ces mots d'ailleurs sont des mots qui figent, hein, qui nous empêchent de penser. C'est un petit peu comme l'exploration de l'Antarctique avec l'endurance, le bateau de Shackleton, où on découvre quelque chose qui est au-delà de ce qu'on avait pensé être la limite humaine. Eh bien, c'est au-delà de nous-mêmes, nous devons constamment en faire la découverte. Et comme le dit Shakespeare, nous allons vers « the undiscovered country », le pays inconnu, non découvert, d'où nul voyageur ne revient. Et les endurants, ce sont des voyageurs. Et nous avons besoin de penser le voyage. Alors là... Et pour répondre justement à ce que disait le professeur Pellerin, je comprends très bien que pour les médecins, il y a presque une sorte de loi qui se confond avec la médecine. Et en même temps, il faut aussi qu'elle l'écoute, comme nous écoutons les uns les autres, parce que je pense que tout le monde ne peut avoir d'oreille qu'avec l'amour ici. La phrase, une des phrases qui traverse comme ça la littérature d'un trait déchirant, c'est la phrase réelle. Alors dites réellement, ce n'est pas une phrase de littérature, de Kafka, qui était en train de mourir d'une tuberculose qui déchiquetait son larynx, et qui a dit à son médecin, ami, le docteur Klopstock, « Si vous ne me tuez pas, vous êtes un assassin. » On arrive à des moments paradoxaux où, en effet,
ne pas donner la mort et peut-être refuser à quelqu'un de dépasser l'invivable pour aller vers une autre espèce de vie. Tout ça, ce sont des choses à penser. Et nous devons, je pense qu'en France, il nous manque quelque chose, il nous manque une culture de cette approche, de cette interrogation de ce qui ne va pas nous donner de réponse, hein, de ce que c'est que la mourance. Nous sommes peu co-mourants, nous sommes peu co-mourants et nous ne sommes pas de très bons mourants ou accompagnants de mourants. Et pour finir avec Shakespeare, les derniers, parce qu'en littérature, la liberté de mourir a toujours existé. Et elle nous précède, hein, elle a toujours été devant nous. Je pense aux quelques mots de Cléopâtre, qui sont les derniers mots dans Antoine et Cléopâtre de Shakespeare. Et c'est une phrase qui est une phrase avec réticence, où elle dit « What should I stay ?» C'est coupé parce qu'elle meurt. Pourquoi ? Alors, je ne peux pas traduire en français parce qu'il n'y a pas un équivalent absolu, mais c'est « Pourquoi resterai-je » Quand il n'y a plus aucune raison de dire que ceci est la vie, pourquoi resterai-je ? Or, il y a un rester après la vie, parfois, qui est excessif. Corinne Peluchon. Oui, alors merci de m'avoir invité à ce débat aussi. Pas tous et, bon, merci. Et je salue, je remercie aussi les personnes qui ont parlé avant moi et dont le propos mesuré est, je crois, à la hauteur de ce débat compliqué. Alors pour moi, cette question, ce débat soulève trois enjeux majeurs. Le premier, c'est de donner la garantie à chacun et à chacune d'entre nous qu'il sera ou qu'elle sera, qu'elle ne sera pas victime de l'acharnement thérapeutique. Et peut-être là, faut-il, ou de l'obstination déraisonnable, peut-être faut-il faire un petit peu avancer les choses en rendant non seulement contraignantes les directives anticipées, mais peut-être en les rendant obligatoires, on en parle peut-être à l'occasion du débat de Vincent Lambert récemment. Le deuxième point qui est crucial, qui était au cœur de la loi Leonetti, c'est celui de la proportionnalité des soins à une époque où la médecine a une grande puissance, permet de récupérer presque tout accidenté, traumatisé crânien, dans le coma, traumatisé crânien ou anoxique, mais aussi où elle crée de nouveaux cas d'acharnement thérapeutique, dont on a aussi une actualité aujourd'hui, qui sont des cas de poursuite relationnelle. C'est-à-dire de personnes qui ne sont pas dans le coma, qui ne sont pas végétatifs, persistants, mais qui ont un état de conscience minimale, pouvant regarder, suivre le regard, donc c'est perturbant, mais qui ne retrouveront pas leurs facultés, qui ont une communication minimale. Et pour cela, effectivement, moi je pense que peut se poser la question d'une décision d'arrêt de limitation de traitement pour ces malades, comme cela a été décidé pour le cas de Vincent Lambert par ces médecins qui appliquaient la loi Leonetti. Néanmoins, il y a une petite, non pas faille, mais difficulté dans cette loi, c'est que pour les personnes qui n'ont pas fait de directive anticipée ou qui n'ont pas de personne de confiance, c'est laissé à l'appréciation du médecin qui ne peut pas le faire sans la procédure collégiale et sans demander aux proches. Or là, nous avons un conflit de famille. Donc ça, c'est peut-être un complément qu'on peut apporter. La troisième chose qui me semble importante, c'est la question de ne pas occulter un problème majeur qui est celui des conditions dans lesquelles les personnes meurent aujourd'hui. Et celles-ci sont loin d'être optimales car les soins palliatifs, il y en a peu. Beaucoup de personnes n'ont pas accès aux soins palliatifs et c'est normal qu'elles demandent à mourir puisqu'on leur interdit d'avoir un accompagnement de qualité et d'avoir la douleur soulagée, y compris quand les douleurs sont réfractaires. Donc là, je crois que plutôt que de se focaliser sur un oui ou un non, effectivement, il faut faire avancer les soins palliatifs, peut-être proposer un petit aménagement de cette loi, sans en faire une autre à mon avis, et en plus cet aménagement pouvant être aussi, comme cela a été proposé, une sédation profonde, c'est-à-dire non pas légère et adaptée, mais définitive. Rappelez ce qu'est une sédation. Une sédation, quand on est en soins palliatifs, on peut avoir une sédation légère, dite titrée, car elle est adaptée, les doses de morphine sont adaptées afin que la personne conserve un peu de vigilance de temps en temps, qui peut communiquer avec sa famille, mais ça permet d'avoir sa douleur soulagée. Dans le cas de douleurs réfractaires, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être soulagées sans diminuer la conscience, même sans provoquer un coma, donc on peut envisager, je crois que ce sera un progrès majeur, et c'est d'ailleurs ce que demandent des personnes, avant même de demander à mourir, ils demandent qu'on les laisse, après qu'ils ont eu accès à tous les stades des soins palliatifs, ils en ont marre.
Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait non plus d'obstination dans l'accompagnement. On peut proposer une sédation profonde, donc un coma, où ces personnes qui sont en fin de vie, la fin de vie c'est 6 mois avant la mort, mais à un certain stade c'est quelques jours, eh bien une sédation profonde en phase terminale, donc pour les patients étant en fin de vie et ayant eu accès aux soins palliatifs et n'en voulant plus. Et je crois que sans proposer le suicide assisté, ce serait une solution équilibrée permettant, un, d'éviter 2 écueils. L'acharnement thérapeutique qui nous fait tous peur, moi compris, et l'idée de faire peut-être une réponse brutale, car il me semble que je crois que la mort est inappropriable et personne ne peut en décider, ni du jour et de la mort, et peut-être encore moins les médecins. Raphaël Antogone. Oui, merci de m'avoir invité. C'est un débat entre la liberté et la vie. Et dans ce débat entre la liberté et la vie, j'ai tendance à penser, mais alors, ça n'est que mon opinion, donc ça n'a aucun intérêt à ce titre, et aucune opinion ici ne peut se vivre tranquillement. Quelle que soit l'opinion qu'on défend, de toute façon, elle a tellement d'arguments contre elle qu'aucune opinion, qu'elle soit pour ou contre, ne peut se vivre sereinement. Et il est important d'ailleurs de maintenir cette tension. Mais dans ce débat entre la liberté et la vie, moi j'ai le sentiment, parce que j'ai vu tout simplement quelqu'un partir en Suisse pour pratiquer un suicide assisté qu'elle ne pouvait pas avoir en France, dans ce débat entre la liberté et la vie, j'ai tendance à penser que le choix de la vie est mortifère. Voilà, il y a quelque chose de mortifère dans le fait de privilégier la vie sur la liberté. Mais j'écoutais le professeur Pellerin et Corinne Pelluchon, et vous avez raison de dire qu'il faut être mesuré dans ce débat, être pondéré dans ce débat. Mais 2 questions à ce moment-là. Comment pouvez-vous parler de pondération et présenter comme un carcan ce qui est un droit supplémentaire? Puisque, en l'occurrence, il s'agit d'un droit supplémentaire, il s'agit d'un droit que nous n'avons pas pour l'instant et qu'il s'agirait peut-être d'acquérir à la faveur d'une loi nouvelle. Est-ce un carcan? C'est ma première question. Et deuxièmement, comment parler de pondération, défendre un débat pondéré, argumenté, tout en faisant valoir qu'un médecin qui pratique l'euthanasie n'est plus un médecin? Il y a des tas de médecins à ce compte-là qui ont depuis longtemps cessé d'être des médecins et qui pourtant continuent d'exercer la profession de médecin et qui sont vécus et vus et perçus comme des bienfaiteurs par leurs patients. Donc là encore, c'est un débat qu'il faut dépassionner, qu'il est essentiel de dépassionner, où les opinions doivent autant que possible s'exposer aux opinions d'en face, se transformer en arguments. Mais précisément, c'est la raison pour laquelle il me semble que la première chose à faire, c'est de ne pas juger ceux qui pratiquent ce geste-là, ceux qui le font en toute concertation, à l'intérieur, hors du contexte de conflit familial que vous avez décrit. Mais les gens qui le font, à mon sens, non seulement ne cessent pas d'être des médecins, mais le sont même au plus haut point. Et donc voilà, et puis vraiment, j'insiste là-dessus, on ne peut pas sacraliser la vie, on ne doit pas sacraliser la vie. Si on sacralisait la vie, on n'aurait jamais autorisé l'interruption volontaire de grossesse. Sacraliser la vie est, à mon sens, en tout cas, quelque chose qui peut avoir des répercussions paradoxalement tout à fait mortifères sur l'existence des gens. Voilà. Rémi Brague. Je ne peux pas remercier d'avoir été invité, parce que je me sens profondément incompétent ici, puisque je ne suis jamais mort. Donc je ne sais pas trop ce que ça fait. Alors bien entendu, j'ai pu assister, ce qui n'est pas très agréable, à la mort de mes beaux-parents, par exemple. La mort d'autrui, ça existe, hein ? Je l'ai remarqué, merci. Merci de me le rappeler. On ne peut guère parler que de celle-ci. Pour la mort, nous parlons toujours de seconde main. En revanche, alors j'ai une compétence que je partage d'ailleurs avec tous les gens qui sont présents dans cette salle, c'est que je suis un être humain et donc je m'interroge sur ce que veut dire être humain. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Qu'est-ce que c'est que se conduire d'une manière humaine? Adjectif très bizarre, puisque de tous les animaux, l'homme est en un sens le moins humain, au sens amélioratif de cet adjectif. Enfin, il est même parfois d'une cruauté que l'on n'ose même pas dire bestiale, puisque les animaux n'y arrivent pas. Alors moi, ce qui m'intéresse dans ce débat, c'est ce qu'il implique
d'anthropologie, si je puis dire. Enfin, je m'excuse de ce gros mot. Enfin, de façon de comprendre ce que c'est qu'être homme, de bien faire son métier d'homme, de bien jouer son rôle d'être humain, et donc d'être humain au maximum. Ce qui fait d'ailleurs que je ne suis pas très chaud sur la notion de droit de l'homme. Qu'est-ce qu'il faut que soit l'homme pour qu'il puisse avoir des droits ? Le problème, dès que l'on se met à parler de droit à quelque chose, c'est que ça implique qu'il y a quelque part une instance qui a le devoir de vous fournir ce à quoi vous avez droit. Or, je crois constater, depuis quelque temps, une certaine inflation, non seulement du discours des droits de l'homme qui remplace un peu tout, mais du discours des droits tout court. On parle par exemple du droit au bonheur. Bon, il a fait ceci, bah oui, c'est pas très bien, mais enfin, il avait quand même droit au bonheur. Bon, qui est chargé de me... qui a le devoir de me fournir le bonheur ? C'est juste un exemple. Alors, je crois qu'il faut être un petit peu prudent lorsque l'on utilise la notion de droit à quelque chose. Enfin, j'ai droit à avoir telle chose. Bon, et ce qui me frappe alors, justement, dans l'humain, et qui était assez visible dans le film qu'on a commencé par nous montrer, c'est ce que j'appellerais le côté déchirant de la mort. C'est un adjectif qu'on emploie un petit peu à tort et à travers, hein. Quelque chose est déchirant parce qu'on se sent le cœur tendu. Je crois que ça veut dire avant tout que certaines morts, certaines façons de la donner, de la recevoir, et puis peut-être même certaines pratiques qui n'ont rien à voir avec la mort, sont déchirantes dans la mesure où elles mettent en pièces ce tissu qui constitue l'humain. On n'est jamais seul, sauf peut-être justement dans la mort. On meurt seul, mais justement, lorsque l'on s'en va, on déchire quelque chose. On déchire quelque chose qui ne peut pourra peut-être jamais être réparé. L'existence, si vous voulez, de ce tissu, me fait dire que on n'a peut-être pas, vous excuserez encore le gros mot, le droit, de le déchirer soi-même. Parce que en se retirant soi-même de l'humanité, on rompt des liens. On casse quelque chose dans tous les autres. On ne se retire pas de l'humanité, on se retire de la vie. On se retire de la vie, qu'est-ce que c'est qu'une vie humaine, si ce n'est justement ce tissu ? Image qui vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, je n'en trouve pas de meilleur pour l'instant. Juste, Hubert Reeves, c'est vous qui avez parlé de... Enfin, je vous ai cité en parlant de droit à la mort. Rémi Brague disait, en fait, est-ce qu'on a droit à quelque chose ? Alors, je vous en prie. Bon, ma réponse, je l'ai déjà donnée, c'est oui. Alors, la défense, je sais que c'est très long, il y a des arguments des deux côtés. Pour moi, mon intuition profonde, c'est que oui, nous avons reçu la vie, nous avons le contrôle sur notre vie, nous avons droit à la mort. Ça, c'est mon opinion. Appel Antoven, vous voulez réagir? Oui, mais surtout, c'est difficile de mettre sur le même plan la position qui s'oppose à l'euthanasie et celle qui la défend. Ça n'est pas exactement la même chose que de vouloir interdire quelque chose. Si vous voulez, les deux positions seraient comparables si le droit à l'euthanasie, par exemple, obliger les gens à mourir de cette façon. Or, ça n'est pas le cas. C'est juste un choix supplémentaire qu'on laisse aux individus. Dans un cas, il y a un choix qu'on donne, et dans l'autre, il y a un choix qu'on retire, ou un choix qu'on ne veut pas donner. Et c'est un des éléments, quand même, dans la forme du débat qui doit être pris en compte. Il ne s'agit pas ici de défendre à tout prix l'obligation de mourir. Il s'agit de défendre le droit pour chacun de se donner la mort ou de la recevoir à sa demande. Hélène Fixou ? Je suis seule, c'est vrai. Mais pas la seule. Je suis seule, comme dit Montaigne, mourir c'est l'acte à un seul personnage. Mais je ne suis pas seule. Je suis seule, mais naturellement, quand je meurs, je te donne ma mort.
Il n'existe pas d'être humain qui ne soit pas, comme vous l'avez dit, dans un ensemble de liens avec les autres. Et dès que je suis rompue, tu es rompue. C'est-à-dire que si je ne crois pas que le mourant ou l'endurant, en se retirant, ne soit pas comme moi, moi comme toi, en proie à la double souffrance. Ma souffrance te fait souffrir. Je souffre de ta souffrance. Et là, ça entraîne justement la nécessité de penser le droit, parce que c'est là que le droit vient s'inscrire. Tu ne peux pas mourir à ma place, je meurs à ma place, et en même temps, je t'inflige cette souffrance qui est la mienne, et là, nous avons le droit justement de penser ensemble une situation qui reste hétérogène. Nous sommes l'un à côté de l'autre, partant dans des directions légèrement différentes, mais cela me regarde, ta mort me regarde. J'en souffre, et nous savons d'ailleurs, là le personnel médical je pense est bien placé pour le dire, que souvent justement les endurants et les mourants font exactement comme les animaux, c'est-à-dire qu'ils attendent le moment où ils sont seuls pour se dépêcher de mourir parce que justement ils ont peur de montrer l'excessive souffrance qui est la leur. Je crois qu'il faut pouvoir penser les scènes dans leur extrême complexité. Rémy Braque faisait allusion à une instance supérieure. Dès l'instant où il y a des droits, il y a une instance supérieure à qui on peut les réclamer. Forcément, on pense à la médecine, Denis Pellerin. Non, excusez-moi, je ne suis pas suffisamment philosophe ni juriste pour intervenir dans la discussion au niveau où vous l'avez déployé en ce moment. Et je vais simplement peut-être revenir sur la phrase que vous avez extraite du dernier communiqué de l'Académie de médecine, extraite de son contexte. Mais elle était précédée de bien d'autres choses et suivie de bien d'autres choses. Moi, ce que je voulais dire, c'est que nous respectons parfaitement la liberté de chaque individu et parfaitement le droit pour chacun de se suicider s'il le souhaite, de mettre un terme à sa vie. C'est absolument évident. Ça ne me regarde qu'en tant qu'être personnel, mais ça ne regarde en aucun cas la réflexion de la médecine. C'est la raison, ce qui ne va plus, c'est quand on envisage de faire l'obligation au médecin de rentrer dans cette procédure qui est de donner la vie à quelqu'un, donner la mort à quelqu'un, ce que nous appelons un arrêt de vie. Et si vous permettez, je voudrais en deux mots vous dire quelle est la base de notre réflexion. L'arrêt de vie, c'est individuel, c'est personnel. Que l'on aille en Suisse, qu'on se jette par la fenêtre ou au pont de Birakeim, je respecte tout à fait. Encore que je pense que les gens qui arrivent à cette situation sont dans un état de souffrance psychique, et qu'aujourd'hui, il y a tout de même, par la médecine psychiatrique, il y a quand même bien des secours qui peuvent être apportés à des situations de souffrance purement psychologique. Pas forcément. Non, pas forcément. Non, enfin, il y en a. Alors, la deuxième chose, c'est vraiment... Alors, mettons la fin de vie. La fin de vie, c'est ce moment de chacun, le passage, comme vous dites, que l'on vit avec plus ou moins d'endurance. Il y a deux situations tout à fait différentes. La fin de vie, quand elle survient à l'âge où on est trop jeune pour mourir. Je simplifie l'expression. Nous disons la fin de vie, quel que soit l'âge, mais qui est conséquence d'une maladie, d'un accident. Et c'est ceci qui a retenu l'attention de tout un chacun depuis des années. C'est en particulier les progrès dans la médecine du cancer, dans l'évolution durable, plus durable qu'autrefois, des cancers, et qui ont fait rencontrer ces situations intolérables de quelqu'un qui souffre d'un cancer, mais qui est encore bien vivant, et qui, par ailleurs, ne veut plus supporter une sixième chimiothérapie ou une quatrième intervention dont on sait qu'elle est tout à fait dépassée. Et ça a été un très grand progrès quand tout le monde s'est mis d'accord. C'est Louis René, qui était à ce moment-là président du Conseil de l'Ordre des médecins, qui a prononcé ce mot d'acharnement thérapeutique
en disant le médecin a l'obligation d'être obstiné dans son rôle de soin, mais il y a un moment où la thérapeutique devient de l'acharnement. Et c'est à l'Académie de médecine qu'on a suggéré de remplacer dans notre langage le mot acharnement thérapeutique, qui nous paraissait un peu agressif même par sa terminologie, et de le substituer obstination déraisonnable. Obstination déraisonnable à traiter. Alors aujourd'hui, c'est bien entendu à ces situations tragiques que s'adressent les soins palliatifs. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont été mis en place. Et les soins palliatifs sont basés fondamentalement sur la suppression de la douleur. Parce que le cancer continue sa marche, il va encore 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, inévitablement, inexorablement amené à la fin de vie de la personne, beaucoup trop jeune, on dit comment, il est mort si jeune, mais ceci est inévitablement l'objet de douleurs qu'il faut absolument éviter. Mais ce n'est pas seulement les douleurs physiques, c'est aussi les douleurs morales, c'est assurer au malade et à sa famille un environnement, et pour un malade, la réponse philosophique ou spirituelle, en même temps que humaine, enfin un mot d'amour si vous voulez. Vous savez, ce que fait une main simplement, ça dit beaucoup de choses. Bon. Donc cela, c'est la fin de vie de quelqu'un qui n'aurait pas dû mourir. C'est la réflexion que l'on fait. Comment une mort, à son âge, vraiment, elle n'aurait pas dû mourir. Ça, on est tous d'accord, les solutions, elles existent. C'est à cela que s'adressent les soins palliatifs, et particulièrement les soins palliatifs avec hospitalisation. Voilà. Mais les soins palliatifs eux-mêmes deviennent déraisonnables à un moment donné, parce que à la fin de la de vie de cette situation, même les soins palliatifs, alimentation, etc., deviennent déraisonnables. C'est vraiment la fin, il n'y a plus que la douleur. Et à ce moment-là, il faut donner l'accompagnement. Et toute fin de vie, le rôle du médecin est d'accompagner son patient, son malade, jusqu'au terme de sa vie, dans toutes les circonstances. Si je peux ajouter un mot, c'est pour aborder très rapidement le deuxième thème. C'est celui qui nous préoccupe le plus et dont je m'étonne que notre société ne paraisse pas y apporter l'attention qu'il faudrait, obnubilée par ces situations, d'autant que chacun dans son entourage, le cas précis, douloureux de cette fin de vie avant l'âge, et bien sûr ça nous retient. Et toutes les décisions, les propos sont toujours inspirés par une émotion. Et l'émotion, qui est l'émotion à la réaction personnelle à une situation vécue. On dit toujours, ah, moi, j'ai vu la mort de ma mère, ah, moi, qui ai fait. Voilà, il y a toujours de l'émotion. Le médecin doit rester ferme devant ses émotions. Deuxième chose, la fin de vie à l'âge de mourir. Réflexion commune, ah, oh, il avait sage, ah, oh, ben c'était bien à l'âge de mourir, le pauvre homme ou la pauvre dame. Donc, la fin de vie à l'âge, c'est la vie. Il n'y a pas de vie qui ne se termine pas par une fin. Alors, très schématiquement, nous distinguons des situations différentes. Il y a la fin de vie qui a toujours une dépendance fonctionnelle, qui a toujours de multiples petites pathologies, mais il y a des fins de vie qui s'accompagnent d'une grande dépendance, même cognitive. C'est ce que l'on connaît mieux depuis quelques années, le drame de la maladie d'Alzheimer. Je globalise mon propos. En gros, ce sont les personnes très âgées et très âgées, qui vont obligatoirement dans un établissement médicalisé. Aujourd'hui, on appelle ça les EHPAD. Même problème pour elles. Il n'y a pas de traitement. Il y a des soins. Et l'ensemble de ces soins que je ne détaillerai pas, vous les avez évoqués à un moment au passage, nourriture, hydratation, etc., peuvent devenir et deviennent très fréquemment obstination de soins. Et il faut leur substituer l'accompagnement. Bon, voilà. Alors, je termine. Parce que tout ce que nous avons dit là, ça ne représente pas la totalité de la population. La population âgée, leur souhait, c'est de mourir à la maison. Et autrefois, on mourait à domicile. Il y a encore beaucoup de personnes âgées qui meurent à domicile, dans la solitude, avec l'angoisse de cette fin, et d'autant plus angoissées qu'elles savent que la seule chose qu'on a à leur opposer, c'est l'appel à l'ambulance qui va les emmener pour mourir sur un brancard, aux urgences de Pompidou. Je dis Pompidou parce qu'on est à côté. Bon. C'est l'hôpital proche. À l'hôpital. Et ça, c'est absolument catastrophique. Et nous nous préoccupons de cette situation pour dire que c'est le rôle du médecin d'apporter à ces personnes-là aussi l'accompagnement de leur fin de vie. Et enfin, je crois que c'est M. David qui a dit, c'est pas le rôle du médecin d'eux,
Je rappelle que le rôle du médecin est d'être auprès des personnes qui le souhaitent, c'est de les soigner et de les accompagner quand les soins ne sont plus valables. La preuve en est, c'est que quand quelqu'un va faire un malaise, on croit qu'il va mourir, qu'est-ce qu'on crie ? Vite, vite, un médecin. Donc c'est bien le rôle du médecin que de s'occuper de la fin de vie. Monsieur, tout ce que je disais, c'est qu'un médecin ne cessait pas d'être médecin. Absolument. À l'instant où il accomplissait ce geste létal. Oui. Et que j'avais cru comprendre que vous disiez mourir, le geste d'aider à mourir. Aider à mourir n'étant pas accompagné. Non. Voilà. Voilà. Non. Alors justement, on en arrive à l'actualité. Hein. Pardon, on en arrive voilà, à l'actualité. Et aux questions qui se posent aujourd'hui. Alors je propose, bref, petit rappel de la déclaration, la première de François Hollande pendant la campagne présidentielle, jusqu'à la dernière, lors de sa conférence de presse de mardi 14 janvier.